cinq histoires le portrait de la société algéroise. Le film a été tourné exclusivement sur les toits d'Alger, avec la mer en toile de fond. Sophie, un petit peu comme Retour à Ithaque de Laurent Cantet, que j'avais beaucoup aimé, moi. Oui, c'est vrai, c'est un dispositif un peu du même ordre. Sauf que dans le film de Cantet, ce sont des intellectuels qui parlent. Et là, c'est plutôt des gens du peuple qui essaient de survivre. Et puis, la grosse différence aussi, c'est que dans le film de Cantet, il n'y a qu'une terrasse et un seul lieu, alors que là, c'est cinq Ça donne une idée de son déchirement, à travers cette mosaïque, essayer de reconstituer Marzec Alouache, parce que c'est un pays qui n'arrive pas à s'unifier, qui n'arrive pas à retrouver sa cohésion. Ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il filme un naufrage, au fond. Il ne cesse de dire, Marzec Alouache, depuis des années, que l'Algérie se noie, que l'Algérie est minée par la corruption, par la misère, par la violence, par le mensonge des aînés, par les trahisons, par le refus de regarder son passé, qui, depuis l'indépendance en 62, ne cesse de vivre sur des mensonges. Et en même temps, son film n'est pas du tout didactique. On a l'impression qu'il a mis sa caméra comme ça devant la ville, enfin sur les toits de la ville, et qu'il a filmé la réalité telle qu'elle est. Et ce qui est très beau, c'est que voulant poursuivre cette idée de naufrage, bah finalement tout ce qui est enfoui, tout ce qui est au plus bas, remonte jusqu'aux terrasses. C'est-à-dire que la gangrène a gagné jusqu'en haut, comme l'eau aurait gagné le haut d'un navire. Alors, vous allez nous montrer un extrait, quand même. Alors, on va voir les images. Voilà, on va voir les images. L'extrait qui est choisi, ça se passe à Bellecour, les cinq quartiers. Donc, il y a Bellecour, qui est un quartier qu'on connaît bien, puisque c'est le quartier où Camus, prix Nobel de littérature, a été enfant. Ça se passe à Bellecour, et c'est un religieux c'est un type halim qui vit dans une espèce de buanderie sur cette terrasse, et qui sous-loue sa buanderie à un religieux. Et tout est là, tout est dans cette scène. Il y a le statut de la femme, il y a le religieux, il y a la superstition, il y a l'ignorance, il y a la duplicité et la loi du plus malin. يا بسم الله اه يا شيخ عندك لمبة شابة هذه عندها حكمة كبيرة على بالك تلقي روحك تلقي روحك ما تهبيش وش بيك هكا تلقي قعدي روحك مليح الشيخ كل ما نشوفك نحشم ديجا نشوف لحمي تشوك يعني قداش من فترة نقول لك ما لازمكش تحشمي قولي لي تحفيفة تاع شعرك هذه بدلتيها مش كيما كانت القطرة الأولى كي جيتي بدلتها راجلي هو اللي يحب لازمك تاخذي راي راجلك بنتي لازمك تاخذي راي راجلك كنت درتيها بشويه اللون اسمر هذاك مليح ما عجبتكش لا مش ما عجبتنيش بصح انا نشتي السمرات السمره نشتيها هيا شوفي لحياتي هيا قولي لي وش المرض نتاعك؟ يا الدين وجهك بالله عليك كلش حكيت لك المرة اللي فاتت الشيخ يا بنتي والله ما نسيت خلاص هذه مشترياز داخلة وهذه خارجة نسيت بعد أيامات ندير البلوك نوت ونزيد ندير بيبليسيتي في الانترنت وفي الفيسبوك وفي التويتر وكلش أنا نديرها إن شاء الله نديرها مي بون ما نحس وش هي ما تحسيش ما فهمتش؟ راجلي يدنا ليا ما نحس Éric, ma terreur, ça vous a forcément touché. Oui, mais il y a un problème au cinéma avec les terrasses depuis Ettore Scola. Voilà un argument. Et même dans le film dont vous parliez, là, de Laurent Cantet, où il y avait l'avantage qu'on buvait à longueur de nuit, donc ça faisait passer la pilule. Là, c'est quand même un. Il y avait une journée particulière. C'est beau quand même sur une terrasse. Oui, c'est vrai. Ben, voilà. Parce qu'il est bien, je l'ai oublié celui-là. et là-dedans, c'est quand même un petit peu artificiel, une construction, là, ces cinq terrasses. Il y a un côté agence immobilière, belle vue sur la mer, mais voisins bizarres. Et gênant, alors vous en faites ce que vous voulez. Et je n'ai pas bien compris pourquoi les cinq histoires ne se rejoignaient pas. Moi, je suis peut-être borné. Mais c'est parce que ce pays ne peut pas se réconcilier, c'est ça qu'il dit. Il prend de la hauteur. On a bien compris ça, le dispositif, effectivement, de prendre de la hauteur, de montrer les terrasses et de voir effectivement comment. Mais elles ne peuvent pas se parler, elles ne peuvent pas se répondre. Non, il y a un problème de communication, mais tout passe par le regard, puisque chaque terrasse se regarde. Il y a vraiment cette communication. Elles sont loin les unes des autres. Ah oui, mais elles se regardent. Par ailleurs, je crois qu'il y a eu un problème de tournage aussi. C'était très difficile de tourner ce film. Les conditions de tournage
tournage était complexe, c'est ça aussi, non ? Il a tourné très vite. Ouais. Bah forcément, puis de toute façon, les autorisations, il ne les avait pas toujours. Ouais. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les terrasses, ce n'est pas un dispositif de scénariste en disant « Ouais, super, oui, je vais tourner sur les terrasses ». Les terrasses, elles sont habitées par les gens, elles sont squattées par les gens. Et quand ils viennent, ils n'ont pas été en studio. Ils ont... Donc, à tout moment... Dites-le à Eric, hein, moi je suis d'accord, j'adore les films de terrasse. Tout moment, pouvait débarquer, à tout moment, pouvaient débarquer des gens qui allaient gérer le tournage. Ils ont tourné en très peu de temps et ils ont fait comme si c'était 5 courts-métrages qui après, ils entrechevêtrent. Mais après, c'est comme dans l'intolérance de Griffith, les histoires ne se réunissent pas, Eric. Il y a aussi l'idée du montage parallèle. Aussi, hein. Et, tu comprends où tu peux superposer les regards. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est, j'allais dire, comment il avance masqué. C'est-à-dire que petites choses du quotidien, parfois un peu drôles, et plus on est pris par les personnages et plus ça devient terrible, en fait. Il y a une phrase du film, c'est l'exorciste là, qui en parle, le chasseur de jeans rouges, qui dit la misère des gens n'est pas un spectacle. Mais il y a quand même cette idée que, moi je trouve que c'est un petit peu ma réticence par rapport à ce film, c'est le côté un petit peu spectacle du quotidien. Xavier comme ça, est très discret. Non, parce que je trouve que c'est un film très réussi qui aurait pu être totalement théorique. Voilà, mes terrasses, mes quartiers, ma représentation de la ville. Et en fait, justement, à partir de ce faux dispositif, je suis entièrement d'accord avec Philippe, parce que c'est pas le style de Mirza Kalouache de faire des films de dispositif. Il arrive vraiment, grâce au montage et grâce aux interprètes, à créer quelque chose, une circulation, effectivement, des désirs, des inhibitions, des rêves enfouis ou des rêves qu'on est en train de projeter, qui est absolument passionnant. Et elles n'ont pas besoin de se réunir, ces histoires, parce qu'elles sont déjà réunies par, malheureusement, le même quotidien, la même quotidienneté, la même difficulté de survivre. Donc tant mieux, formidable, il fallait surtout pas qu'il en fasse une espèce de scénario habile où tout le monde allait se retrouver au café ou quelque chose. Non, c'est comme ça et le film prend en ampleur romanesque et en ampleur vraiment sociétale passionnante. Le dispositif du film, ça vous fait penser à quoi ? On est plus du côté de Taxi Téhéran ou du côté de Paris Je T'aime, Alger Je T'aime ? Parce qu'on visite, on visite quand même à travers des quartiers historiques. Je saurais pas et... Moi, j'ai un problème d'émotion, vraiment. J'ai un problème concret. Le dispositif me plaît. Cette idée, effectivement, de passer d'une terrasse à l'autre et puis d'avoir ce contraste en permanence entre le ciel bleu, qui est absolument formidable, et la misère concrète sur le bitume. Mais je sais pas. Il y a quelque chose en interne qui me dérange. Il y a une musique qui me manque. Il y a quelque chose... je sais pas. Puis à Alger, il doit bien y avoir une terrasse où il y a une fille en train de bronzer tranquillement. Il y a un bouquin, c'est ça. Non, mais si, parce qu'en plus, il filme toujours l'Algérie quand il fait froid. Et c'est dans Le Repentir aussi, c'est une Algérie de neige qu'on appelle. Il va toujours contre les clichés. C'est-à-dire, il fait froid en Algérie. Et on voit pas ça, nous, en général, de France, quoi. Pour nous, l'Algérie, c'est encore le soleil. Et ben lui, il va toujours à contre-courant de ça, Merzak. Il y a quand même les gamins qui font du rock. Oui, voilà. Et que là, mais justement, ils sont là, ils sont bien, on se dit. Ben bon, on va avoir quand même... C'est les meufs qui chantent, oui, voilà, je te déteste. Dans le message, oui, mais on n'arrive pas à dire mais ils le chantent avec plaisir, toi. Mais même là, ça tourne mal. Quand oui, mais même ça tourne toujours mal, c'est ça qui est un peu ennuyeux. Mais c'est parce qu'il a quelque chose à dire, il étouffe. Toi, c'est facile, t'es là, t'es tranquille, t'as l'Algérie. Ça n'est pas attends, que ça. Attends, lui, de son pays. Il y a aussi ça, mon Algérie. Je suis un pessimiste, mais il n'y a pas que des trucs noirs tout le temps, partout. Mais là non plus, il n'y a pas que des trucs noirs, parce que c'est des situations... Il le met en pleine lumière. Si tu veux que je raconte la fin des cinq terrasses, tu vas voir. Non, mais ça commence par une torture, ça se termine par un suicide au milieu. Il y a un crime. Mais parce que la violence est vraiment inhérente au pays, mais en même temps, tout ça avec des flonflons et de la musique. La misère, voilà, la saleté, la toxicomanie. Mais tout ça en musique. La misère est plus belle au soleil, comme chanteur. Oui, voilà. Du cœur, cœur partagé, cœur de pierre, cœur fondu, cœur en terrasse. Les deux prochains films de notre programme sont des premiers longs-métrages et tous les deux racontent la